remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance. Vous pouvez assurer ce soir que les Chalandaises et les Chalandais qui nous font confiance, que celles et ceux qui ont voté pour nous, mais également celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous, et j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ne sont pas venus voter, nous serons bien les élus de l'ensemble de la population chalandaise et nous allons travailler pour l'ensemble de la population chalandaise. J'ai évidemment une pensée pour les deux listes, Thomas Merlet, que je connais bien puisque j'ai travaillé avec lui, et Laurence Pau, que je connais moins bien. Je sais que c'est jamais une situation facile quand on est perdant. Soyez assurés que nous souhaitons travailler avec vous. L'intérêt de Chaland, de toute façon, doit être l'intérêt général. Et donc, nous devons travailler ensemble dans l'intérêt des Chalandaises. Et faites-nous confiance, vous aurez toute la place que vous méritez au sein du conseil municipal. Il est évident que nous avons souhaité être le plus proche possible des Chalandaises et des Chalandais. Et donc, vous n'hésiterez pas à nous interpeller. Nous souhaitons travailler en concertation avec la population. Je remercie Serge, même si... il y a un conseil municipal que je n'ai pas forcément apprécié, mais j'ai quand même passé 6 années à ses côtés où j'ai appris un certain nombre de choses. Et vraiment remercier l'ensemble de mon équipe. Vous verrez, c'est une équipe qui est compétente, avec de réelles qualités, avec un comité de soutien qui nous a suivis, avec des conjoints qui ont toujours été à nos côtés. Et j'ai évidemment une pensée ce soir pour mon épouse qui a subi un certain nombre de choses. Donc merci à elle, merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée, surtout, et puis vous pouvez compter sur nous pour tenir les rênes de la ville de Chalandes.